Et salut tout le monde, c'est MissBeagle155. Coucou. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je suis accompagnée de... MisterBeagle45 évidemment. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Bah super, super super. Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui ma petite sœur? Et du Destiné Radieuse. Destiné Radieuse qui était... ouais, ça fait très longtemps parce que les prix font que d'exploser. En même temps, Michou a vidé le stock, hein. Il voulait son drac au feu. Il a dépensé 40 000 balles pour sa carte braque au feu à 230. Mais, on va pouvoir se faire un peu plaisir. Imagine, Sophie, c'est déjà arrivé dans les 25 ans, souviens-toi. On a ouvert la braque au feu, la carte qu'il fallait. Imagine, on sort un braque au feu là. On est content. Et sur un malentendu. Il y a beaucoup de belles shiny. Il y a Suicune shiny qui est magnifique. Il y a Salamèche, Reptincelle. Il y a vraiment beaucoup de beaux Pokémon. On a eu entre-temps dessiné de Paldea, qui est sorti pour Écarlate et Violet. Et juste avant Radieux, c'était destiné... Occulte, voilà, merci Sophie. Bah dis donc, on va dis donc, pour une fois que tu me fais fermer ma gueule. D'ailleurs le TB c'était les trois oiseaux. Ouais, destiné occulte avec la carte promo des trois oiseaux, qui est magnifique, hein, qui était folle avec les vitrails. On l'a en japonaise, qui est 10 fois plus rare et qui vaut 600-700 balles. On est parti, on va ouvrir 7 ETB et vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. On va vous le montrer, ça sera mieux. Sophie, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette ETB? Les sleeves Evoli, évidemment. Cool. Donc, et la carte promo. La carte promo Evoli VMAX, c'était le seul moyen de l'avoir. C'était d'acheter cette ETB. Carte promo qui sera à gagner. Allez hop, en commentaire, vous mettez je vous aime. Vous mettez ce que vous voulez. Allez, écoutez votre cœur. Carte promo à gagner. Carte promo de plus en plus rare, hein, la Evoli. Hein. Les amis, maintenant, c'est le seul moyen de l'avoir, c'est d'acheter des ETB à 150-200 balles. Donc, carte promo de plus en plus rare. La carte promo et les dés et les sleeves. Allez, on fait gagner les trois. Sophie. Allez. C'est parti. Ah, t'as pas trop envie, t'as envie de les garder pour toi. Hein. Non, allez. On a combien de boosters, Sophie? Allez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ouais, à l'époque, cette époque lointaine où ça régalait, quand il y avait des points 5. Donc, Dracaufeu, Salarcem, Lansorien, et désolé, je n'ai pas cet oiseau. Mais voilà les 4 illustrations. Non, c'est pas Hermure. Voilà les 4 illustrations. Non, c'est tu vois bien qu'Hermure est beaucoup plus fin et, et beaucoup plus métal, j'ai envie de dire. Vous savez, moi sur YouTube, je regarde énormément d'ouvertures. Pourquoi, Sophie? Pourquoi je fais ça? Bah pour pallier à ton manque d'ouverture. J'ai une addiction les gars. Non, ça on va faire une pause parce qu'il faut qu'on en parle YouTube. J'ai une addiction, si je n'ouvre pas je pète mon crâne, vraiment. Et j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin constamment d'ouvrir. Donc je regarde énormément d'ouvertures, même du passé, même de nous-mêmes. Parce que sinon j'ouvre tout le temps, c'est infernal. Arrêtez-moi les gars, j'ai besoin de ma dose. Allez on est parti. Allez, énergie psy. Ah oui, on retourne sur les cartes jaunes. Tropius. Alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'on vous a préparé une vidéo pour mon anniversaire avec une ouverture folle en japonaise et une vidéo aussi pour Noël qui arrivera. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Nous, on est de retour sur les bords jaunes, effectivement. Bah oui, il est français. Parce que japonaise, même si c'est de l'ancien, c'était... Quel écran? C'était gris. Exactement. Morpeko. Allez. Oublie pas que Sien d'un gris, c'est l'avant-dernière carte, Sophie. Hein. Ça remplace la... Tournicoton. Donc c'est ici, c'est à la place de la River, s'il y a une vraie folie. Brindibou, ouais. Ok. Manaphy, rien, malheureusement. Booster numéro 2. Ça me plaît. Et on n'oublie pas de faire le tri. Allez, énergie fire. Oui. Et verrouillé. Les dresseurs d'arène. Dresseurs d'arène. Oh là, c'est dur. Oh, Badabouin. Badabouin. Qui est revenu d'ailleurs. Oui, Badabouin qui est très fort avec Wistempo et tout d'ailleurs. Dans lieu de fête pour les joueurs, Evoli. Allez, si on a une Dynx, Morpeko. Tout doucement arrivé vers la fin, surtout l'avant-dernière. Kélécroc. C'est pas la River, son pote. Goupilou. Bon, ça colle. Malheureusement, une V, ça, il peut pas y avoir de drac au feu. Oh là, Moumouflon, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Oh, le double hit. C'est pas la meilleure non plus. C'est pas la meilleure non plus. Destiné Radieuse, c'est très très punitif, vous l'aurez compris. On en avait ouvert un petit peu, Sophie, des coffrets Pikachu, souviens-toi. Oui. Il y a des Amazing, on avait montré une Amazing, on avait montré plein d'autres trucs très très cool quand même. Mais c'est pas les meilleurs. Un booster à double hit, on prend quand même. Par contre, si on voit VMAX, là, on a peut-être l'espoir du Dracaufeu. Le Dracaufeu tombe. Ouais. Désolé, Michou, mais on l'aura eu en une seule ETB.
Après, je l'ai déjà deux fois en PS à 10. On l'a déjà fait tomber. Énergie ténèbre. C'est parti. Badaboin. Badaboin. Tropius. Il y a très peu de cartes. Hein. On a oublié de le présenter, ouais, celle-là. Hein, mais il y a très peu de cartes. Il y a 72 cartes. Sans les 72 cartes. Tu fais extrêmement vite le tour, hein, finalement, pour le coup. Mimigal. Mustéboué. Fabrice. Mustéboué. Rindibou. Et mine de rien, c'est sorti en 2021. Début 2021. Frissoni. Voilà. Et Ordre du Boss. Ordre du Boss. Utilisable, je le rappelle. Ces cartes-là sont utilisables parce que dans le jeu, elles ont été rééditées. Voilà. Donc vous pouvez même utiliser des Ordres du Boss qui ont 15, 20, 30 ans. Ça n'existe pas il y a 30 ans. Alors ouais. Non, mais ça va vite. C'est du épée bouclier. Ouais, ça va super vite. C'est la folie. Hein. Énergie. Oh, on aime l'eau. Nigosier. Nigosier. J'aime beaucoup Nigosier. Je sais pas pourquoi. Il mange toujours Pikachu, oui, parce qu'en il me fait trop rire. Il a toujours eu... Je sais pas, il a une tête de... oui, comme les pigeons. Débile un peu. Ouais. Mais il a un côté débile, mais adorable. Tournicoton. Tournicoti, Tournicoton. Yanma. Yanma. Yanma qui est très aimé hein, de Pokémon Company, je sais pas pourquoi. Frissoni. Allez, doucement, au cas où, non. Charibari. Charibari. Une reverse. Il s'est flippé, lui. Ouais. Oh, belle de neige. Belle de neige en holographique, évidemment. Premier holo, je crois. Hein. Premier holo. Hein. Ça peut très, 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 très vite régaler. Donc, j'y crois encore. La Suicune qui est juste folle, hein, je le rappelle. Si on arrive à l'avoir, ça serait incroyable. Mais il y a d'autres cartes assez sympas, en vrai. Même si Destinée Radieuse, de tous les Destinées, c'est vraiment le moins bon set. En vrai, de vrai. Y a, c'est vraiment Dracaufeu qui sauve le truc. Nigosier. Hippotrampe. Hippotrampe, oui. Brindibou. Morpeko. Mimigal. Mimigal. Frissoni. Oh, Berserkat de Galar. Waouh, t'as voulu parler anglais? T'as fait Berserkat? Non, non, parce que j'étais perdu. Berserkat de Galar. Putain, j'aime pas, moi. Shiny. De quoi? Je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Ah ouais. Oh, j'aime bien. Miaou, c'est Berserkat, c'est ouais. Pour... c'est pas les pires. Franchement, son alternative est très sympa d'épée bouclier. J'ai pas assez, tu vois, le côté... Ouais, bah pour l'instant... Ouais. Allez, régale-nous. Allez, des petites les... amazing, des petites shiny. Bah, t'as non. Fait un mauvais tri. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah on sait qu'on a rien. Mais Dalmasqui, peut-être la dernière. Musteflotte. La bannière de la Team Yel. Goupilou. Ce serait bien le retour de Rosemary. Musteboué. Bixi. Le retour de Rosemary, ouais, ça serait cool. Smogo. Oui, je sais pas. Je voulais mettre. Craquenois. Et Manaphy. Manaphy. Allez. Il veut pas sortir d'ailleurs quelque chose. Bah, j'espère. Tout le bonheur que je nous souhaite, deux, ma petite Soso. 3, 4. 4. Allez, régale-nous. Allez, on est parti sur un petit. Luxio. Et Flay. Bouclier rouillé. Bouclier rouillé. Smogo. Cacnea. Allez, Sophie, faut que ça sorte un peu là quand même. Là, c'est un peu raid, hein. Craquenois. Craquenois doucement. Ok, Smogo. Non, elle veut pas. Smogo. Et. Oui, messire. Oui, messire. Allez, il nous reste plus que 3 boosters. Il nous reste 3 boosters, les amis, et pour l'instant, cette ouverture est presque catastrophique. Hein. Bon, j'y crois, je me dis, ça va tomber. Allez. Énergie. Et flèche. Nigosier. Épée rouillée. Voilà, bouclier rouillé. Craquenois. Craquenois. Brindibou. Quel est croque. Doucement, c'est juste après. Smogo. Doucement, doucement, soit malentendu. Motisma. Motisma, oh c'est dur, c'est si dur. Et oh, hors du boss. Oh, le TB est dur. Mais j'y crois, il reste 2 boosters les amis. 2 boosters pour le miracle. Yep là. Let's go. Energio. Dresseur d'arène. Musteflotte. Épée rouillée. Frissoni. Charivari. Wistempo. Allez, Sophie. Mystery. Doucement.
Non, c'est juste après. Yeah. Doucement, doucement, doucement. Ah! Bon, qui on peut espérer? Morpeko. Morpeko, ouais, ça serait cool. Ça serait trop, trop cool. Ah! Oh, bon, Motissement, ça va, elle est cool quand même. En vrai, elle est cool. On va pas être négatif. Je la trouve ok, tiers. Et Roger Professora. Pas spécialement la plus belle, mais honnêtement, la deuxième plus belle, hein, je dirais. Hein. En vrai, avec Morpeko, non? C'est très, très dur. Hein. Waouh! Dire... Ah, on peut pas avoir de la chance partout. Ouais, ouais. On a eu énormément de chance, mais les gens le verront plus tard. On peut pas avoir de la chance partout. Blanc coton. Ça fait partie du jeu. Nigosier. Bal masqué. C'est pas non plus, c'est pas non plus ridicule. Hein. On a quand même eu une foulard shiny et tout, mais bon. Goupilou. Alors. Cacnea, c'est le dernier booster. Charizard. Allez, c'est maintenant. Aïe 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 aïe. River, c'est là. Dommage. Bon, bah, vous avez tout sous l'écran. Il n'y a pas besoin de dézoomer ni rien. Vous avez tout sous l'écran. C'est dur, hein. ETB, très très dur. ETB qui aurait mieux fait de rester scellé. Pour le coup, j'en aurais eu beaucoup plus pour mon argent de le laisser scellé. Mais c'était le plaisir de s'ouvrir un truc. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ouvert un truc un peu, un tout petit peu ancien. Mais bon, écoutez, ouais, on peut pas avoir de la chance à tous non, les coups. Malheureusement. De toute façon, avec les vidéos qui vont arriver, vous allez voir qu'on a eu énormément de chance sur certains trucs. Vous allez voir, c'est la folie. Il y a à gagner dans cette vidéo tout de même le Evoli VMAX, les dés et les sleeves. Donc ça, je pense que c'est le meilleur cadeau. En vrai, c'est le meilleur truc de tout le DB qu'on a ouvert. C'est mieux que les 3 hits en dessous, hein, c'est pour vous dire. Un petit commentaire et réponse dans la vidéo qui suivra. Juste après, on vous fait des bisous, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt tout le monde pour la suite, évidemment, de nos ouvertures. Ciao, bisous. Ciao.